Salut, c'est Tantchamming, j'espère que ça se passe aujourd'hui, je pense que ça se passe une belle soirée en ce 30 octobre, maintenant 31, parce qu'il est 2h15 du matin. Vu que c'est Halloween, on va faire un test de 3 friandises, on va faire un test des Skittles. Fait que le premier qu'on a présentement, on va faire 3 vidéos différentes, après on va faire une vidéo où on les comporte tous ensemble. Le premier qu'on va faire, c'est Bay, juste parce que c'est le premier sur le bord. Écoute, il n'y avait aucune autre façon que ça. Je pourrais te mentir puis dire que c'est... En ordre alphabétique, mais c'est pas le cas. Fait que les baies, on a 5 saveurs. On a punch aux baies. Ok, la saveur, tu vois, aux fraises, aux cerises sauvages, aux framboises, puis un melon et baies. Mais j'ai même assez excité. Je trouve ça un peu dommage, par exemple, que. Parce que le. Ok. Ça, c'est ce qui est aux baies. Je trouve ça un peu dommage qu'il faut qu'il mette les saveurs, puis il faut qu'il rajoute le nom baies. Comme ça, tu peux pas dire, mais c'est pas vraiment baies. Question design, c'est extrêmement simple, mais c'est cool, j'aime bien l'arc-en-ciel, j'aime bien les Skittles qui sont sur arc-en-ciel. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux voir ici les 3 saveurs, puis te dire, ouais, mais moi j'aime la rouge, moi j'aime la mauve, puis la verte. Il y a beaucoup d'affaires quelque part, il y a beaucoup d'autres produits où est-ce que tu peux pas reconnaître la couleur, fait que ça j'adore ça. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça très 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 simple. On va goûter aux 5 saveurs, puis on va décider laquelle est la meilleure, la moins bonne. On va te faire un petit ranking de Skittles si tu veux. C'est cool. Ça va être vraiment cool. Pendant que je dis c'est Halloween, fait que c'est mon excuse pour manger des bonbons toute la journée. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une qui est orange, j'ai une qui est... Ça, c'est orange, ça, c'est rose, stick. Check tes lunettes, mon homme. J'ai mauve, j'ai bleu et j'ai vert. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? C'est purple ici, c'est mauve. Mauve comme mode. Je pense qu'il la trouver, la petite cachetière. Faut la trouver, ça trouve pas. Ben écoute, qu'est-ce que je te dis? Ça, c'est brun. J'ai pas des. Ouais, ben, sacrifice. Ah, j'ai pas des très très bons yeux. À mes yeux, c'est toute la même couleur, ça. Ok, bon, ben, regarde ce qu'on va faire. Ok, mais regarde, pas le choix, mon homme, pas le choix. Et voilà, j'ai tous les saveurs. Fait que ça, je peux les remettre dans le paquet. Oh mon dieu, j'ai pas pensé à ça. Shit. En tout cas, le premier qu'on va goûter, c'est melon au bain. Ok. Un bon petit goût de melon d'eau. Vraiment le fun. Extrêmement simple. Ce qui est cool avec ça, c'est que le Skittles en anglais, le bonbon, il reste toujours le même. T'as quelques secondes de goût différent. C'est pour que tu dises, oh, c'est l'expérience différente. On a le punch au baies. Ok. Correct. Sans plus, sans moins. On a les. Écoute, on va même plus. On a framboise. Il est bon. Ok. On a les fraises. Alors, parce que. Je triche un peu. En sachant quelle est la saveur, tu es en mesure de dire ok, mais ça, j'aime pas ça. Non. Si je savais pas que ça, c'était cerise. Ouais. Ok, quand même. Ça goûte un peu la cerise. Maintenant, on a notre test. L'autre test, c'est les 5 ensemble. C'est du bon dans la gueule. En ordre, je dirais que la cerise est vraiment bonne. Le melon d'eau. Sûrement fraise, framboise, des berry punch. C'est les 5 ensemble. On les goûte ensemble pour voir si ça goûte quelque chose de bon. Ok. Cool. Encore une fois. Tu sais. Vraiment, on voit. C'est que. Ça goûte pas fou les baies. Je trouve que c'est bon. Même si ça goûte pas les baies, je t'en fous.
C'est ça le problème. C'est un bon produit. Écoute, c'est bon. Tu fais plaisir pour Halloween. Tu fais des skittles. Prends ça que tu veux. Mais la bête est pas pire.